Bienvenue au 175 boulevard Haussmann, le nouveau siège de Lazare à Paris. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet immeuble au sein duquel, avec mes associés, nos équipes et avec vous, nous allons ouvrir une nouvelle phase de notre histoire. Ce nouveau siège témoigne de notre ancrage fort et durable à Paris, où sont nos racines, et plus largement au cœur de l'Europe. Lazare Paris is the heart and soul of the firm. It is central to all of our global activities and is the hub to our activities in Europe, Asia, Africa, the Middle East, and a bridge to the Americas. Lazare Paris is driven by a deep entrepreneurial spirit, and this project symbolizes that spirit, combining a rich history with a modern look and feel. Les défis principaux, c'était d'abord de redonner une identité très forte à ces bâtiments. Ça voulait dire d'abord revoir l'accès au bâtiment, rentrer par la pointe, dans la proue de ce navire, et en redessiner complètement le design avec cette surélévation qui, non seulement permet de créer des mètres carrés complémentaires, mais surtout de donner une identité très forte au bâtiment qui, avec cette verrière spectaculaire, va probablement devenir un nouveau phare, une nouvelle icône dans l'Ouest parisien lorsqu'elle sera éclairée de soir. Un des aspects qui m'a semblé très important, c'était de créer une cohérence globale, une harmonie et évidemment de gommer la hiérarchie grâce au design. On sent que finalement on est dans un tout, dans un écosystème, dans un lieu qui finalement se tient et est cohérent. Il va permettre d'accueillir le Lazare de demain. Et c'est pourquoi nous l'avons conçu autour de quelques valeurs fortes dans lesquelles nous souhaitons inscrire notre avenir. La modernité, avec un immeuble très parisien, mais à l'architecture innovante et au design résolument contemporain, doté des meilleures technologies de communication. La durabilité, avec un bâtiment aux plus hauts standards environnementaux en matière d'économie d'énergie, de gestion de l'eau, d'empreinte végétale. L'ouverture, avec des bureaux nous permettant plus de collégialité, de communication, de convivialité, incarnant ainsi des valeurs collectives fortes et inclusives. La confidentialité et la discrétion que vous attendez de nous et qui sont et resteront notre marque à travers des lieux d'accueil de nos clients chaleureux, confortables et sobres. L'excellence, enfin, qui est notre exigence quotidienne et que nous vous devons, qui s'incarne dans l'esprit et dans tous les détails de ce bâtiment et trouvera à s'y exprimer. Créer des espaces comme celui-ci, qui sont des espaces de pause, de respiration, c'est primordial aujourd'hui. Tout le monde sait que l'inventivité, la créativité, la motivation, elle ne passe pas que par le bureau et les écrans, elle doit aussi se créer grâce à des lieux de rencontre, d'échange et de convivialité. Ce que j'espère, c'est que notre travail petit à petit disparaîtra au profit des collaborateurs qui en feront leur propre maison et leur propre histoire. L'espace de travail, les immeubles de bureaux sont devenus des lieux de vie. C'est une mutation très importante qui, à mon avis, va continuer à se poursuivre, quel que soit l'impact de la crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Cette qualité de bien-être qui fait que travailler devient aujourd'hui un temps important, un temps essentiel dans lequel on est à cheval entre la vie personnelle et la vie professionnelle, nécessite des immeubles qui soient d'une extrême qualité. C'est ce que je pense que nous avons relevé comme défi avec ce bâtiment en plein cœur du quartier haussmannien, à l'angle du Faubourg Saint-Honoré et du boulevard Haussmann. Et l'anecdote intéressante, c'est que c'est à ce carrefour-là même que est né le baron Haussmann, qui a donné le nom à son boulevard. Et donc, quelque part, ce bâtiment sera demain un peu le symbole d'un Paris réinventé. Avec tous mes associés et les équipes de Lazare, nous serons très heureux de vous accueillir au 175 boulevard Haussmann.